C'est YouTube, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais jouer Lazarus, un perso que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, la communauté Xababa l'a décidé via vote. Attendez, alors, attention. Là, c'est du génie. Parce que regardez, je sais que ma pilule, c'est full health. Alors, ah, c'est du génie, là. Faites pas ça chez vous, hein, parce que ça demande beaucoup de doigté. Énorme, énorme ce qu'on vient de vivre. Ok. Oh là là, ça XL ou pas là? Non, sûrement pas. C'est juste un dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Body is ready. Oh là là, mais même les basements sont devenus chiants, hein, c'est incroyable. Tout est dégueulasse maintenant. C'est une constante du jeu. Hein. Non, non, mais fallait le tuer. Oh là là! J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps de faire ça, moi. Oh là là. Sérieusement, quoi. Tous les ennemis enflammés, regardez ça. Quel emmerdement. Et vu que je m'ennuie. J'ai pas envie de faire l'effort d'esquiver, quoi. Alors ensuite, peut-être que je fais ça de manière volontaire. Pour me transformer dès que possible en Lazarus dégueulasse. Lazarus mort. Je pense que les plus perspicaces d'entre vous l'ont compris. Ah, c'est Mom's Foot. J'ai pas de bombe. Dommage. Plutôt une bonne carte. Et sinon, ce serait bien de trouver l'objet. Merci. Oh, sérieusement, c'est bon. Ah, ok, oui, non. Oui, oui. C'est le mushroom qui donne des dégâts, donc on est content. Et un point de vie. He's ok. Ça aurait été bien de trouver également, mine de rien, un cœur bleu, mais c'est pas au programme visiblement. Pas de rocher marqué, pas de bombe, terrible. Hein. Mais sérieusement, du. J'ai pas utilisé ma pilule. Maintenant, j'ai peur de l'utiliser. Je trouve ça un health down. Allez, c'est un lemon party, je me mets là et paf! Non, d'accord, c'est bien aussi. Non mais faudrait que ça cesse. Genre faudrait que ça cesse quoi. Oh là là. Et l'objet va être à chier des bulles quoi. Oh là là, c'est terrible de recommencer les parties dans le jeu. Hein. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On a eu un peu de dégâts up, hein, mine de rien, dans la salle d'objets. Et là, il y a un rocher marqué. Alors on en a besoin plus vite, parce que si je me fais toucher, Devil Deal dans le cul. Dans le cululu. Donc par pitié, que le jeu coopère. De grâce. Allez, petite bombe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilule qui donne des bombes. Ah, attention. On peut pas le pousser, c'est pas un... Oh, c'est terrible ce qui nous arrive là. Ah si, explosif diarrhea. Explosive diarrhea. Attendez, vous allez voir, ça va être du génie. Hein. C'est parti. Ah, il y a bombes arquises aussi. Alors déjà que Odd Mushroom m'avait rendu plus gros, là je suis énorme. Donc génial pour se faire toucher partout et n'importe quoi.
Énorme. Ah là, voilà la bombe. Énorme. Je suis riche. C'est con, par contre, il y a le coffre. Le coffre de pierre, j'aimerais y avoir accès. Attention, je vais me faire baiser. Carantia. On peut cependant trouver une bombe au magasin. Oh là là, je suis tellement large. Ah oui, j'ai moins de 1 en speed. J'ai perdu de la speed, du speed également. On n'est pas content en fait, hein. C'est vrai que ce Lazarus est nerfé en stats, hein. Mais il est un peu trop tard pour jouer la carte de... Oh, aïe 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 aïe. Oh si si, j'avais de l'argent infini là. Ce petit chaos in to reroll de magasin. Bon, la boîte de Pandore c'est fort, mais on est quoi? On est cave 1, c'est quoi? C'est un objet de boss? Non, on est basement 2, donc pour l'instant c'est de la bite en bois. Faudrait le garder longtemps. Ou bien cave 2, cave 2 c'est... C'est deux soul hearts, c'est un objet de boss. Sinon, le garder jusqu'au womb 1, deux objets de boss, mais c'est chiant. Chaos, c'est naze. Chaos, c'est après le devil, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Chaos, oui. Chaos, en fait, ça mélange toutes les pools d'objets. C'est-à-dire, les pools d'objets de magasin sont mélangés avec les pools d'objets de devil deal, d'objets d'item et compagnie. Donc, on peut trouver tout n'importe où. Ce qui veut dire que les Devil Deals deviennent un peu nuls, mais en contrepartie, on peut trouver des trucs débiles dans les item rooms et dans les magasins et partout. Mais bon, sans manière de vraiment casser le jeu en plus, c'est pas si craqué que ça. Hein. Ça peut même être très nul. Cœur bleu sac. Quoi, il y avait un cœur bleu? Ah oui, je l'ai pas pris. Ah oui, parce que je me suis toujours pas fait toucher. Ça va peut-être se réveiller. Alors que... Ah. Si je prends KO, ça va pas reroll cet objet? Jamais. Ou si? Non. Il a été vu. C'est vu. Vu, c'est vu. Alors, ok. Ah oui, alors j'adore jouer sans carte, hein. C'était bien par là, hein. Je vais pas m'énerver. Quoique boîte de Pandore, c'est crax en vrai, hein. C'est vrai, chaos c'est fun, ouais. Bon allez. Par contre j'en ai marre là. J'aimerais bien... Tiens voilà, j'en ai tellement marre. Ah oui, en plus c'est ça. C'est encore moins bien que le soutien-gorge. Ils ont peur, ils sont pas stun. Serviette hygiénique de maman. Incroyable. Pandora c'est bien. T'as un aucun... Oui non mais voilà. Vu que j'avais pas de spacebar item craqué, pour moi Pandora's Box c'est génial. Ou bien on l'emmène en womb, on a deux objets de boss, ou bien on l'emmène juste cave 2 là. Et on a un objet de boss plus de cœur bleu et on est content. On n'est jamais déçu si vous voulez. Mais j'ai compris, hein. Le problème c'est que je stream le jeu, donc quand on stream le jeu, il faut faire plaisir évidemment à nos amis gamers, adeptes du LOL. Donc on va prendre KO. Et c'est vrai qu'il peut se passer des trucs rigolos avec KO. En vrai. Je suis otage de mon stream, tout à fait. Allez, Blood Clot, c'est pas si mal. Ouais. Est-ce que je prends l'autre? Ça c'est bien, mais c'est vrai que mon DPS, j'ai un DPS de moule, allez on est de ouf. Parce qu'après les Devil Deals vont sûrement être pourris, donc autant prendre. Hein.
J'ai fait la daily, hein. Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait les daily. Hein. Oh merde, je commence à avoir mal au côté droit là. Alors que j'ai pris mes médicaments. Il me reste plus que. Putain. KO. Ah oui. Ah, on gagne des trucs aussi au début. Énorme, énorme, énorme. Ah, paf. Ouais. The stars. On va tout de suite trouver notre objet. Oh putain, cette gueule. Sale gueule, hein. Il est super content. Une succube et un incubé. L'incubateur de talent. Ah, oh, ce prank incroyable, digne des plus grands. Eh, mais j'ai The Stars, on va peut-être l'utiliser, idiot bête. Oh! Allez. J'accepte. Correct. Alors évidemment, j'aurais préféré du damage up, mais bon. On verra ce qui se passe, hein. Maintenant on est victime du chaos. Ah, j'ai la mouche qui pète en délirium, superbe. Oh, ça a failli très mal se passer d'ailleurs. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, je suis faible. Oh. Mais putain, mais. Ah bah oui, parce qu'on est en large, hein, jeu de merde. Pardon, excusez-moi, mais. C'est l'émotion du gaming qui a repris le dessus. Alors qu'il n'y a pas de cœur bleu. Oh là là, il y a un Twitter. Qu'est-ce qui se passe? La boule magique. Ah. Alors, ah voilà. Les incubés ou les succubés. Aucune indication, pas de genre au final. Car incubus veut dire cauchemar, succube veut dire les souhaits. Donc voilà. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est selon la sensibilité de chacun ou chacune. Donc on parlera des incubés. Voilà. Voilà. Je les nommerai au pluriel. Mais non, mais... Ok, faut plus que je me fasse toucher si je veux avoir le Devil... Ah oui, mais le Devil Lead sera forcément nul et ça pourra pas être un machin God vu que j'ai pris le Devil, machin, Monsby, Monsbou. Attention, peut-être un espoir. Là, ah. Bon, bah pas de cœur bleu, mais du dégât, on est content. Ah oui, mais encore moins de speed, j'ai 0,70 en speed. Pire objet du monde. Alors là, ça commence à puer. Hein. Il y a une petite odeur de caca là. Parce que. Oui, non, l'objet où quand on se fait toucher, on fait spawn des milliards de troll bombs. Pas terrible. Ah oui, mais il n'y a rien d'autre en fait. Faut s'en aller, madame. Je vais faire la curse room. Je suis sûr que ça va être ouf. C'est mon cadeau à la commu. Hein. La curse room va changer le game. Oui, mais dans la curse room, finalement, même s'il aurait pu avoir un bon objet par le passé. Là, on va être sous le coup du chaos. Donc ma vie est merdique, oui. Je suis tellement lent. Oh, c'est horrible. Il y a plein de situations. Je suis lent et en plus, mon sprite est énorme. Il n'y a rien qui va. Rien qui va dans cette partie.
C'est pas cette partie là où j'avais Momski, donc pas très rentable. Ok, bon. Le cup c'est bien, mais j'ai plus de bombes. Hein. As a result. No bomb left. Bon allez, c'est parti, c'est pour vous, c'est pour vous. Non mais voilà, j'ai envie de dire autant que la vanne soit jouée jusqu'au... Non mais autant crever, voilà. Hop. Et maintenant on va trouver des chests rouges qui vont nous donner des cœurs bleus. Voilà, pour rigoler, c'était pour la vanne que je suis devenu large. Encore plus large, mais je m'attendais pas à ce qu'on me... En plus, on me retire un point de vie. Non ! Ah oui, putain, je me disais oui. C'est l'incubé. Infernal. Oh. Ah merci le Bob Delirium. Qui est de retour d'ailleurs, attention hein. On était de retour en normal. Ils sont sérieux avec cet objet là quoi. Donc pour... Ah mais non! Ah oui, ça c'est pour vraiment jouer en mode Bomberman, je les pose partout, je croyais que c'était la méga bombe cheatée. Mais c'est très bien. Ça me donne surtout 5 bombes. Donc on va pas se plaindre. C'est moins cher que gratuit. Ça c'est grâce à KO j'imagine. Enfin, pas forcément d'ailleurs. Ça devait être un autre objet de base. Ah 7 bombes oui. Autant pour moi. Mais donc oui, ça permet, on peut en caler 7 de suite, hein, comme dans Bomberman au final quand on a la bombe au cul. Les homing bombs, les 25 pièces pour 15 pièces. Ah ! C'est rigolo au KO, hein. Bon, d'accord. Bon, si c'est un Two of Diamonds, je suis obligé de tenter, hein. Two of Spades, d'accord. Bah là il y a l'objet débilos. Ça ouvre le boss rush et compagnie, mais c'est trop tôt. Ensuite ce floor là il sera gratos du coup. Mais faut que j'essaie de trouver un truc fou. Quoique c'est vrai, ça c'est tentant de l'utiliser tout de suite quoi. Pour aller tout prendre gratos. On va reroll. Des grosses bombes en vrai. Two of spades. Joker.
Mais y a toujours les mêmes merdes. J'attends de reroll encore ou pas? J'en sais rien moi. Après avoir tiré des larmes pendant 3 secondes, une croix rouge apparaît sur la tête... Ah oui, c'est Maw of the Void! Ah bah oui! Oui, oui, d'accord, donc je tire, et ensuite, paf, patatras, et j'ai eu une petite chance d'avoir des cœurs noirs en tuant les mecs avec ça. Putain, mon perso ne ressemble à rien. Voilà! Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est une partie qui durera 105 ans, et j'aurais jamais fait The Hush au final et machin. Mais on est content, hein. Allez hop, rien à foutre de la Bible. Quel connard. Ok. Item room. Est-ce que j'ai vraiment une tête? Est-ce que j'ai la tête du mec qui va se faire chier à faire une item room? Bon. Alors. Énorme, énorme. Paf, pif, paf, pouf. Ah bah voilà. Mais sérieusement, je ne mets... Ah bah oui, Curse of the Blind, superbe. Énorme. Mais non, mais non. Une fois de plus, le talent, hein. C'est le decision making. C'est le decision making qui fait tout une fois de plus. Incroyable. Incroyable. Bon, du coup, on a peut-être intérêt à accélérer la cadence. Non pas pour le boss rush qui est foutu. Mais pour le reste. Pour Ziyash. Ah mais du coup la synergie avec Maw of the Void n'est pas bonne. Je suis embêté. Je suis embêté là. Le couteau se charge plus vite que Maw of the Void, vous voyez. Je suis embêté. Je suis embêté là. Je me sens pas respecté là.
Énorme, énorme. Si voilà, en rentrant dans les salles, si on prépare bien le truc, ça, ça passe. Genre comme As, quoi. Énorme. J'ai même le droit de revenir petit, ça, ça me fait plaisir. Wow! Merci Nova Z pour les 1500 bitcoins. Très radin là sur les cœurs noirs, hein. Je suis un peu déçu. Ah non, mais toujours pas en fait, hein. Quoique là, avec Holy Mental, il y a peut-être un coup à jouer. Ah, ça me fait rigoler. Si, est-ce que si j'ai Holy Mental, quand je me fais toucher, elles ont le temps d'exploser avant que je redevienne touchable? Ou si, est-ce que c'est de la merde? La réponse prochaine salle. Ah oui, c'est... Non, parce que ça compte pas, c'est ça? Ça compte que quand je prends du vrai dégât? Ah bah ma vie est merdique. Très bien. Ah Yamato. Mon build est dégueulasse, au premier item nul il se plaint comme un caca. Comment ça? Ah non, j'ai continué à jouer alors que mon build était immonde pour prouver, pour apprendre une belle leçon à la communauté Xababa Isaac. Que quand on a un rêve, il suffit de s'accrocher. Alors non, hein. pas de ce genre de colibet, hein. Pas de ce genre de colibet, ça, par pitié. Hein. Ok. C'est vraiment une communauté shonen, hein, ici. Par contre, les cœurs noirs là, ça serait bien que ça tombe un peu, quoi. Waouh! Merci, Madeléo Major. Incroyable, le caca. C'est non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je garde vraiment le. Oh, si, ouais, ça a du sens de garder le left hand, voilà, par exemple. Ah, mais voilà, l'exemple typique de connard. Exemple. Quoique... Ah mais je sais pas combien j'ai de cœur bleu là. Parce qu'en vrai, si on veut jouer Zioche à coup sûr, l'appel c'est le bon plan. Hein. Bon, quoi que je vais... C'est jouable. Je dois... Je suis blindé là. Je sais pas vraiment. J'ai droppé des cœurs noirs au début, mais après c'était... ça s'est un peu enlevé. Putain, Guz, merci pour le raid et le host, Guz. Désolé, hein. Je suis tellement en mode lobotomie que j'ai même pas fait attention. Des bisous. À Guz et tous ses viewers, merci. Ma rune, mais ma rune... c'est quoi? Ah. Ah merde, je viens de D6. Je viens... Énorme. Moi je prends ça là. Ah, c'est le truc de la blanque rune, hein. C'est une rune de prankeur un peu. Hein. Mais quel connard! Ah oui, j'ai le Holy Mental, bien merci. On avait dit quoi, Isaac? Bon, 5 minutes, 5 minutes quoi. Là, il va falloir tracer en vrai. Hein. Bon, ça pouvait être le mapping, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé, mais j'avoue que je suis déçu. Ah, j'avais grave de cœur, grave. Bon, c'est pas grave. Ah, mais moi, of the void, là, la synergie n'est pas bonne avec le couteau, là. Hein. C'est terrible, ça. Ah, voilà. Enfin nos efforts récompensés. $25.07,
Merde. Bon, du coup, je regrette un petit peu Guppispo. Mais j'ai pris Dead Cat parce que... parce qu'on est à 2. Ah oui, mais Guppy Knife, c'est 0. Donc en fait, j'avais aucun intérêt. Bon, c'est pas grave. Parce que du coup, je m'enlève l'effet du Polaroid. Mais en même temps, vu qu'on a le Holy Mantle, l'effet du Polaroid, hein, bon. On peut vivre ça, en vrai. Par contre, on est censé aller vite. Là, il est où le boss, là? S'il vous plaît. 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 Ah. Hey, Guppy Knife, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pour vous, mes petits Zemmours. C'est pour que vous ayez, évidemment, ce plaisir. Allez, 26-34, avec un peu de chance, on est sorti à 27 minutes. Ok, on est Guppy. Super. Ah, est-ce que Guppy marche avec Maw of the Void? On va savoir ça tout de suite. Ah oui! Ah oui, oui, très juste! Plein de mouches sont apparues. Énorme. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Allez, on va se faire ce petit hush là, j'y crois à mort. Bah c'est de la merde. Quoique j'ai pas déjà deux objets de mom. Bah si, j'ai mom's knife. Est-ce que j'en ai un autre? Je suis pas sûr. Les glitter bombs, je vais prendre ça. Ah mais les bombes. Ah oui, à cause de mon objet de merde. Bon bah c'est désolé hein. Énorme. La main trinket avant Hush. Ah merde! Ah, mais on s'en fout, on est en KO là, non? Ou c'était la partie d'avant? Je sais même plus où j'habite. Si, on est en KO, donc on s'en fout en vrai. Bon, ok, je la lâche. Je la lâche, j'ai compris que vous étiez pas... Vous, le fun, c'est pas trop votre truc, hein. Pas trop votre truc, je crois. Bon, de toute façon, on est en Curse of the Blind, alors j'ai envie de dire... Ah! Alors ça, c'est intéressant. Bon, tout de suite, non? On laisse un pied sur R2, hein. Allez, hop, forget me now. Bonjour. Et voilà. Alors. Ah mais non, Bumbo, il mange tout, alors je pouvais acheter des trucs au magasin aussi, Bumbo. Laisse-moi au moins 15. Petit connard. Laisse-moi 15.
C'est bon, à partir de maintenant, tu peux tout manger, hein. Ah, je vais devenir Bob. Alors, c'était bien de devenir Bob ou pas? Parce que là, je peux devenir Bob si je prends Bob nul. Sinon, sinon le Mystery Sack me donnera des trucs cool aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça parlait de Rocher Marquet, oui. Ah, Poison Trail. Alors qu'il y a un bouquin de Bélial aussi. Ah oui, c'est pour... on donne à manger à Bumbo. Eh bien, la Bumbo. On voit le Book of Bélial, hein. Je prends le Book of Bélial et Mystery Sack. Elle est vendue. Et je deviens Bookworm. Mais j'ai pas double couteau, hélas. Ah si. Ah, mais du coup, double dégâts. Enfin, de temps en temps, j'ai double couteau. Ok. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Verp. Ah, et ça rappelle la Luck Up, du coup. Excellent. Ouais. Non. Oui, c'est vrai que j'ai 5 de love, donc j'aurais quand même le double couteau assez souvent, je pense. Ah merde, j'aurais dû donner plus de... Oui, vous aviez raison, j'aurais dû... Bumbo, il est pas à sa forme maximale, j'aurais dû faire bouffer hein, plus. Mais il va poursuivre les boss, donc c'est déjà pas mal. Mais pourquoi je fonce là-dedans? J'ai cru... Eh merde, eh merde. Là des trolls bombes, mais j'ai le Polaroid donc c'est du génie. Pourquoi j'ai jamais utilisé mon bouquin de Bélial? Je suis sûr que là le chat est en train de spammer. Le bouquin, vite! Ne vous inquiétez pas. Évidemment c'est afin de réveiller le chat. Je sais que si le chat n'est pas actif, si le chat n'a pas quelque chose à réclamer, il s'endort très très vite. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué grâce à ces années de streaming. C'est très important hein, de faire ces erreurs de jeu qu'on appelle volontaires. Je vais en parler hein, d'ailleurs à la journée des partenaires Twitch à Paris là. Dans mes astuces pour devenir un meilleur streamer. Surtout faites croire au chat évidemment qu'il a le pouvoir. Ça c'est c'est la règle numéro 1. Ok, mais numéro 1. Bon alors vite, venez retourne. Je viens de hurler des obscénités lors de mon panel. Ah non, ça va être incroyable, extraordinaire. Non mais c'est pas un panel avec juste moi, il y aura d'autres personnes. Tant mieux d'ailleurs, parce que je saurais pas quoi dire. En vrai, vous savez, aujourd'hui, réussir sur Twitch aujourd'hui... Moi j'ai envie de dire... Bah il faut sucer quoi. Faut se faire PL par la bonne personne. Et encore, ça ne suffit plus hein. Se faire PL par une personne et sucer les bonnes personnes n'est qu'une des nombreuses étapes pour percer sur Twitch aujourd'hui. Moi j'ai eu énormément de chance, vous savez. Et je suis arrivé à la bonne période. Donc je leur dirai comme, j'ai envie de dire, comme ce que dit tout le monde. Persévérer, jouer à plein de jeux différents, ne vous remettez jamais en question. Merde! Ça y est, on fait n'importe quoi. Non mais ça c'est... Voilà, ça c'est... c'est terrible. Hein. C'est parce que le chat me distrait. Hein. La communauté Xababa, je vous ai connu plus solidaire. Hein. Bon, ok. Les cœurs, bah non, c'est ce que je pensais. Je croyais que j'avais laissé des cœurs bleus derrière. Absolument pas, en fait. Ah si, mais d'ailleurs, il y a un rocher marqué là. Ha ! Bonne mère. Et parce que l'autre fois où il y avait le rocher marqué à droite, c'était précédemment, non ? Previously, before the... Pas du tout. T'imagines, t'étais resté chez Webedia. Bon, ça n'aurait fait que repousser les échéances. Mais je suis parti au bon moment, hein. J'ai eu le pif, comme on dit. J'ai eu le pif. Non mais en vrai de toute façon moi je voulais partir depuis un moment. Dès que j'ai su que ça allait devenir JVTV Et que bon voilà hein. Moi j'utilisais pas de technicien, j'utilisais pas les plateaux. Donc bon, j'avais aucun intérêt à rester là-bas en vrai. Ah off.
Un tamis aide de couteau, qu'est-ce qu'on en pense? C'est le tamis aide de Brimstone, hein, évidemment, qui est surpuissant, mais... Et voilà. Oh non, c'est de la merde. Full de la merde. Quoique, en vrai, ce qui est sympa, c'est que je peux concentrer jusqu'à avoir Maw of the Void. Et ensuite, je balance la... Non, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, hein. Sur Rebellia, tu faisais pas moins de viewers qu'en Indé. Oui, mais c'est aussi, faut pas oublier que quand j'étais chez Gaming Life puis JVTV, je faisais très peu de soirs en fait. Je faisais beaucoup d'après-midi. Du coup, ça explique aussi cela. C'est normal que je faisais moins d'audience. Ok. N'ayons pas ZTV bien sûr. Mais oui, la JVTV c'est cool. Tout est cool. Hein. Il y en a... Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est ça qui est génial. C'est vraiment une grande famille. C'est vraiment une grande famille, le jeu vidéo, bordel. Incroyable. Ah, ça a pas changé, mais c'est vrai. C'est vrai que... C'est ça qui est incroyable. Il y a autant, si vous voulez, de moyens techniques déployés sur mes lives en indé que quand j'étais chez Webedia. Ça c'est vrai, ça c'est une vraie info pour le coup. J'irais même plus qu'on a upgradé, là j'ai un stream deck, des scènes incroyables, un nouveau PC. Mais voilà, il y a toujours pas de technicien, hein. C'est toujours... des idées de merde, la bite et le couteau. Et est-ce que c'est pas ça le plaisir finalement? Parce que moi je suis un vieux monsieur. Je vais avoir 38 ans. Alors je veux dire, moi j'en ai rien à foutre d'avoir un beau plateau et de vous présenter une compétition de League of Legends ou Overwatch. Ça ne parle à personne, tout le monde va s'en branler. Donc, au final, voilà. Svetlana, non mais Svetlana évidemment, mais Svetlana elle est hors du temps. Svetlana elle travaille H24 pour évidemment aider la MV production. Verp, pour rappeler la dernière mangée qui était une luck-up, non? One makes you small, incroyable, on est passé par tous les états. Je suis redevenu petit, c'est jouable à nouveau. Alors qu'on pourrait, si on le voudrait, on pourrait... Ah bon, on pourrait se faire Mega Satan, est-ce qu'il a fait Mega Satan? Bon, il a déjà fait Mega Satan. Donc peu d'intérêt en vrai. On va voir. Si je débloque plein de cœurs noirs partout, ça peut être intéressant. Pour éventuellement essayer de faire spawn un blessed item. Nanana. Ah, musique que j'ai remixée, hein. Sur mon SoundCloud, hein. Tout à poil, hein. Infanticide. Ok. Paf. Ok, ok, ok. Bon, on peut faire la curse room pour le plaisir, hein, pour le zizi. Hein. Et voir donc si... c'est pour ça que je charge mon Maw of the Void. Si jamais il y a quelques cœurs noirs à gratter. Ah non, il y a lui à arnaquer. Alors vu qu'on a pris le KO, lui, il peut lâcher tout et n'importe quoi. Ah oui, non mais c'est vrai. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est de la merde. Très décevant. Ouais bah non hein. Oh là là, oh, oh les fils là, oh, dégueulasse, dégueulasse hein. Chiant hein, c'est chiant ces opérations. Alors, oui.
Ah dommage, il y avait l'argent ici. De toute façon, l'argent ne servira à rien. Petite bombe. My body is ready. C'est vrai qu'il est lent, mon perso, là. Bon, de toute façon, Mega Satan est fait, on a fait Hush, on est content. Donc ouais, on va se faire un Isaac et Chest, on est content. Tout le monde est content. Merci Chris Ninja pour le Prime. Merci également. Chicken Joe's, Samil Danache pour les Prime également. Madlo Major et Nova pour les Beats encore, merci. Gus qui nous avait hausse donc. Yukitsu Ishii et Peanut Punisher pour les Primes. Ainsi que G The Beast. Oui. Merci Anna Drark pour le siècle. Je ne sais pas si je t'avais remercié. Merci en tout cas. Backing 345 également. Et Broken Hammer. Pour les 500 bitcoins qui également a le fil qui pique la langue. Dégueulasse. Corsair Albator, 500 bitcoins. Mister MV, si je te dis Mecha Medusa, ça me rappelle des souvenirs, bien évidemment. Mecha Medusa, c'est une musique que j'ai faite dans le style de Gradus 5. Et des shoot'em up. Merci Dafuck pour le Prime. Allez, go! Burning Bomb, d'accord. 99 bombes, ça commence à se voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Full bombe. Waouh! Merci Jolinso pour les 1000 bitcoins. Ah oui, les petites bombes comme ça, c'est bien évidemment Bumbo qui fait des pranks. Quel prankeur. Spam les bombes. Bah en vrai, les bombes, ça va pas être plus rapide de tuer avec les bombes qu'avec mon stuff, donc bon. En vrai. C'est au pif les emotes de foot. Mais c'est Twitch qui a mis ça en place, c'est-à-dire il n'y a pas la Coupe du Monde, mais si vous avez... Si vous êtes esprit Coupe du Monde, n'hésite pas à donner de l'argent avec les cheer modes Coupe du Monde. Font un abcès post-opératoire dans l'année qui suit. Ah! Bon, écoutez. C'est le plaisir. L'important, c'est de prendre du plaisir, quoi. Ça ne veut rien dire. Vous savez, l'important, que ça soit dans la difficulté ou dans l'abcès ou dans les opérations, c'est de prendre du plaisir. Ok. Comment se porte Tigre Bois? Très bien. On a une vingtaine de VOD de retard sur Tigre Bois. Tigre Bois qui est extrêmement prolifique. Malgré, on doit bien l'avouer, une performance mitigée hein, sur le dernier tournoi, à la phase finale du tournoi professionnel. Tigre Bois a craqué sous la pression. Du jamais vu. Hein. Si tu fais bien ton bain de bouche. Ah mais je fais les bains de bouche hein. Ah mais faut les faire combien de temps? 3 fois par jour? À vie? Alors est-ce que le bain de bouche c'est bien temporairement quand il y a besoin de le faire? Ou est-ce que c'est bien forever? Est-ce qu'à un moment ma bouche ne va pas se transformer en fosse septique déstopisée si je fais du bain de bouche tous les jours? Temporairement hein. Ok. Une à deux semaines tous les soirs. D'accord. La flore buccale. Mais est-ce que utiliser des bains de bouche avant des rapports bucosexuels finalement rend la démarche plus saine ou peut-être plus excitante, le fameux effet glaçon-mante comme on dit? Ça brûle. Ah! D'accord. Donc non, visiblement non. My body is ready. Là, je prends l'info, hein, on sait jamais.
uniquement si tu lui suces le derrière. C'est incroyable. Mais si on, voilà, si on utilise un bain de bouche ailleurs que dans la bouche, quels sont les risques? Bon. Moi je me renseigne. Passer pour un con. C'est important hein. Moi je profite qu'on ait des professionnels présents sur le stream pour me renseigner quand même. C'est important hein. Ouais, il mange. Non mais normalement il a terminé hein. T'as assez mangé là. Incroyable. On se suce le cul au wasabi, ça. Merci Jolin So, donc elle a donné 1008 coins. C'était quand même pas mal la cave de Gaming Life, pas mal de souvenirs sur les streams. Bah oui. Bien sûr. Merci Milo Caster pour les 500 bitcoins également, toujours plus. El Conquistador YouTube pour le Prime, merci beaucoup. Et DaFuck également, merci. Allez, on a appris beaucoup de choses, hein. C'était vraiment très intéressant. RIP la GL boîte, ça existe plus la GL boîte? Sérieusement? C'est mort? Ce site extraordinaire. Ah ouais, putain. Incroyable, le site a été racheté, ça me rappelle mon site de musique, ça me fait mal au cœur de voir ça. Incroyable, merci Namara. Pour les 500 bitcoins, suce un savon bio. Guérive a disparu et le site a sauté. Fuck! Bon allez, il est temps... Ah, de se lever et de se dégourdir un peu. Ah, grâce à Namara, 60 personnes dans le chat ont obtenu un cadeau football! Oui, parce que si des gens beats, cheer, ou si les gens cheer avec des trucs football, ça débloque des emotes football. Énorme, le monde est rond comme un ballon. Merci à l'état, j'y vais. Oh, salut YouTube, excuse-nous hein. On vivait des moments de foot. Parce que oui, toi tu vas voir cette VOD en 2020. Mais à l'heure où nous jouions, on en était au troisième jour de la Coupe du Monde hein, grosso modo. Bisous hein.